Ni Onizuka. Comment? C'est bien lui. Laissez-le passer. Montrez-lui du respect. Mais chef! Il faisait partie de la bande de bikers du lycée de Shonan. Je le reconnais, ce mec est bien Eikichi Onizuka. Mais tu veux dire que c'est le type qui a explosé la gueule de Midnight Angel? On est mal barré. Excuse-les de t'avoir empêché de passer. Les trois guignols, là, qu'est-ce que vous leur avez fait? Rien pour l'instant, on les a pas touchés. Très bien. Je suis soulagé. Professeur! Venez ici! Magnez-vous! Ces trois-là, ce sont mes proies. Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Et cette fois, donc, ça sera pas une première écoute, mais plutôt un premier visionnage, celui du clip du titre Onizuka, donc issu du très bon album de PNL Dans la Légende. Ouais, PNL Dans la Légende, album certifié classique, on peut être, je pense, d'accord là-dessus. Yes. Donc il a battu les records, de nombreux records. Il a fait disque d'or en première semaine et 10 de platine deuxième semaine. Ouais. C'est incroyable le buzz qui est autour de ce duo et le mérite franchement. Mm. Donc là, Onizuka, c'est la partie 2 de Naha. Ouais. Qui est sortie juste avant la sortie de l'album. Je crois que c'était... C'était le soir même. Ouais. C'était la partie 1 et là, la partie 2. Est-ce qu'il va y avoir un lien du coup par rapport au clip de Naha? Je pense. Qui était un règlement de compte. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, le mec balancé... les activités illicites. Voilà, c'est vrai que les fans de PNL disent que c'est un peu l'histoire de PNL, entre guillemets, ouais. À des mots qui se fait serrer par les keufs, et du coup, NOS qui lâche les études pour reprendre le terrain. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, dans la suite, Onizuka, premier visionnage du clip, let's go! Oh
Onizuka. C'est vraiment pardonne-moi lequel. Opportuniste. Ah bon, c'est voisin, c'est vraiment pardonne-moi. C'est pas si mal en cellule. Ah bon. Ça fume des gros terres. Si tu veux changer ta place avec ça, t'as pas hein. Ça fera des vidéos là-bas et tout en... Dans cellule poupée. Amine Hugo. Ouais non. Non moi c'est pas un truc fait pour moi, moi je vous le dis tout de suite. Tu seras mon avocat. Ah bon. Faut faire en sortir les gays. Oh non, non. Attends. Oh non. Ah bon, c'était mal. C'était comment il s'appelle? Le coach qui a précédé Richard? Non, qui a précédé Bielsa à l'OM. Anigo? Ah, oh, j'en ai Anigo. Avec le faux flingue pour après revendre la voiture au mec. C'est un flingue. Film, 13 minutes les ouais. Mecs, c'est un court métrage. Bah vas-y je commence. Ouais commence. Ok, donc bon ils ont delivered hein. Ils ont fait un putain de clip pour un putain de son. Déjà musicalement ce que j'ai aimé c'est les variations dans l'instru, dans certains moments plus calmes pendant le clip. De toute façon il fallait parce que le clip dure 13 minutes. Donc ça aurait été un peu redondant de mettre la même instru en boucle, donc là il y a des variations. Après au niveau du clip en lui-même et de ce qu'on y voit, bah, c'est clairement la suite de Naha. Voilà. Et on a du coup les deux manières un peu de sombrer à cause de la drogue qui sont montrées, bah, soit dans la violence avec le petit qui achète un flag pour venger son frère, et l'autre qui sombre physiquement, tu vois. Genre t'as un des Renois qui bosse avec celui qui a repris l'activité de l'autre qui se fait tabasser et qui se fait ensuite poignarder. Donc ça suit Naha. Et au niveau bah, d'Onizuka, bah, y a le plan en moto, c'est ouais, le plan en moto, genre comme en GTO. C'est le moto. Voilà, c'est la même chose. Et y a le manga, enfin le manga papier dedans et tout. Et franchement lourd. Et en parlant de manga du coup on en parlait avec donc Tariq, hein, le mec qui bosse avec nous, et le Renoir, pour ceux qui connaissent One Piece, il nous fait vachement penser un peu à Barbe Noire. C'est pour faire un lien avec GTO, parce que en gros c'est un pirate qui au final gravit les échelons en faisant que des coups de pute à d'autres pirates. Donc là c'est un peu la même chose, ouais. Un dealer qui gravit les échelons en faisant d'autres coups de pute. Et la question qu'on se pose c'est, au final, est-ce qu'on peut tant lui en vouloir que ça? Dans les deux cas. Dans le sens où, dans les deux cas, tu vois, c'est une activité entre guillemets illicite et illégale, violente. Donc ouais. Est-ce que, tu vois, ça suit pas... Faire du sale dans le sale, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, ça c'est exactement la même morale qu'il y a avec Barbe Noire dans One Piece. C'est le mec, à cause de lui, il y a des personnes genre qu'on kiffait trop qui sont mortes, mais qui étaient des pirates. Ouais. Et lui, c'est pour aussi genre son ascension dans la piraterie. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir tant que ça, tu vois? Et c'est la même chose avec le Renoir qui est un peu qui se fait trop tisser et tout, mais bon. Et dernière chose, pour ma part,
très bon jeu d'acteur de la part des personnes qui sont dedans, les figurants et tout, et puis Metz qui fait un putain de boulot encore à la réalisation. Ouais, bah ouais, l'histoire t'as tout résumé, voilà, c'est vraiment la suite de Naha. Après, faudrait que je le remette une deuxième fois, pour le coup, j'étais pas assez, j'ai pas assez percuté au niveau de l'histoire. Il y a des choses vraiment compliquées, et je pense qu'aussi ils se sont dit, bon bah, ça va les obliger à un peu revisionner une deuxième fois. Donc je me ferai un plaisir de me faire Naha, première écoute, et derrière, après j'enchaînerai sur Onizuka. Gros charlotte à Delacroix. Je sais qu'il va me reconnaître, c'est le mec avec qui j'ai parlé sur Snap, voilà, qui représente PNL et qui a un lien avec nous. Du coup, gros charlotte à lui, on le voit dans le clip, le mec avec la casquette rouge. Charlotte aussi à Casper, donc l'acteur, tu sais, qui lâche les études. Il est souvent cité, voilà, dans les sons de PNL. Ils ont encore fait, voilà, un court-métrage, comme j'ai dit, c'est un film, le bordel. Comme t'as dit, les variations, les arrangements musicaux, ils sont ouf. J'entendais des trucs de dingue encore, là j'ai percuté. Les plans. Les plans, les drones, les gars, tellement le feu avec la moto là, enfin bref. Sortez un autre album, non? De toute façon. Ah, la prochaine fois, Demo, que tu passes en bas de chez Amine, tu le dis, parce que du coup. J'ai vu qu'apparemment tu cherchais un chinois, c'était pas loin. Et bon, on aurait pu te conseiller du coup. Nous on est toujours au chinois au Jap Shop Weekend, donc on aurait pu te dire. Mais et comme tu disais d'ailleurs, je pense qu'il faut pas essayer de trouver un parallèle parfait avec la vie de NOS et Ademo. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre ce qu'ils nous proposent dans le clip et leur véritable histoire. Inspiré, je pense. C'est inspiré de faits qu'ils ont dû connaître, mais clairement, bon, c'est pas, ça ne doit pas y avoir de point. On peut pas dire ce personnage c'est NOS. Voilà, c'est ça. Et du coup, à l'heure où on parle, juste parce que moi je voyais ça, il est 21h29, le clip sorti à 20h, ils en sont à 441 049 vues. Damn. Donc on espère que ce sera pareil pour notre vidéo. Et du coup ouais, ça va encore péter les scores, et puis on attend avec impatience du coup le dénouement. Je pense que ce sera le clip de Béné, évidemment. Béné, ouais. Qui avait les deux maillots dans trois du coup. Voilà. D'ici là, on vous souhaite de vous porter bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve pour une prochaine première écoute. Peace.